Salut YouTube, bienvenue sur Musculation en Santé. Aujourd'hui, je t'amène dans ma cuisine. D'habitude, c'est Céline qui fait ça, mais là, c'est moi parce que je vais te présenter un aliment qui me paraît essentiel. Un aliment d'une super qualité. Je vais pas te faire un catalogue parce que ça me saoule un peu de faire des catalogues. Donc ce que je ferai, c'est que au cours de cette vidéo, en fait, je vais faire défiler tout ce qu'apporte cet aliment, d'accord? Comme ça, tu auras absolument tout dans la lecture en même temps que tu m'entends et ça sera beaucoup moins fastidieux pour toi. Bon, tu vois un peu comment ça se présente. Et là derrière, je vais te lire un petit peu les macros, mais vite fait. Alors au niveau des macros, tu es sur 31 g de graisse, 3 g de graisse saturée, 16 g d'oméga 6 et pratiquement 6 g d'oméga 3, 3 g de glucides et 22 g de protéines et 30 g de fibres. Tu vois, ça se présente comme ça en fait, c'est tout simplement des graines. Et ce qui est génial, c'est que ces graines-là, tu peux les mettre dans ta salade, dans tes pâtes, dans ta prot que tu bois, ça va lui donner un petit... Bon, tu vas devoir croquer, mais ça va donner un côté croquant qui est super sympa. C'est un petit goût noisette, c'est extrêmement bon. Et ce que je fais aussi, moi, pour pouvoir en consommer plus, parce qu'évidemment, tu vas voir que c'est compliqué d'en consommer en quantité, puisque ça reste des graines, c'est que je le broie. Et tu vois là, quand c'est broyé, tu peux en mettre un petit peu partout, comme je te l'ai dit. Tu peux le mettre aussi dans ta prod si tu veux pas que ça fasse du croquant. Tu peux en mettre plus sur n'importe quelle assiette que tu vas consommer d'ailleurs. Si tu fais une transition, c'est-à-dire si tu diminues la viande pour manger plus de végétaux, ça t'aide à amener beaucoup plus de protéines dans ton alimentation. Voilà, j'espère que Musculation en Santé aura pu t'amener de la qualité au niveau des informations. Et sur ce, je te dis à bientôt.